Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi et il est 11h en fait. Et Monsieur Marceau n'était toujours pas réveillé. Voilà. Donc on réveille Monsieur Marceau. Après on va aller chercher Adam à l'école. Et en fait, on a un petit souci de... Comment dire ? Machine à coudre. En fait, je ne comprends pas pourquoi. Alors là, cette fois-ci, je sais pourquoi. Mais pour les deux précédentes, je ne comprends pas. Mes aiguilles se tordent. Parce que t'as cousu sur tes épingles. Oui, là oui. Oui. Mais les fois d'avant, non. Ah bon. Donc je sais pas comment ça se fait. Donc je suis obligée d'aller racheter des épingles, des aiguilles de machine. Parce que, en fait, depuis que j'ai commencé le cartable, j'en ai déjà tordu 3. Voilà. Donc il faut absolument que j'y aille rapidement. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi qui filme, elle est en train de danser derrière la caméra. Tout va bien, regarde ce que tu filmes au lieu de... Oui. Donc, je filme. Du coup, en fait, on s'apprêtait à y aller maintenant, mais je viens de réaliser qu'il était 11h et à midi, je dois récupérer Adam. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du ménage, du coup, là, pendant une heure. Et puis, je reprendrai la couture cet après-midi. Dès qu'on aura fini de manger, j'irai tout de suite chez Cultura chercher les aiguilles. Et puis, voilà. Une fois qu'on aura les aiguilles, on reprendra la couture. Donc j'espère ne pas en casser 5 encore le temps de finir ce cartable. 5 que... Non mais c'est une façon de parler, mais dans les boîtes, il y en a à peu près 5. Il y en a peut-être 7, je sais plus. Donc j'espère, on verra. Mais du coup là, on va réveiller Marceau en douceur, hein, qui a beaucoup de mal ce matin, j'ai l'impression. La tête qui fait. Hein, mon petit chat? Tu veux venir dans mes bras? Oui. Je crois qu'on ne peut pas résister au câlin de maman. bébé d'amour. Oh, c'est dur le réveil. Hein. T'as bien dormi quand même. Parce qu'il est quand même 11h. Hein. Bien dormi? Oui. On dirait qu'il a eu le charme du sommeil et qu'il vient à peine de se réveiller. C'est le baiser de la princesse qui t'a réveillé? T'as faim? Oui. Bon, on va aller lui faire un micro petit déjeuner parce que vu qu'on va manger après à midi. Un micro déjeuner. Non, petit déjeuner. Le déjeuner, c'est le midi. Ah oui. Donc là, un micro petit déjeuner puisque justement le déjeuner va arriver juste derrière à midi. Donc j'ai l'impression que t'es en train de me filmer en gros plan, c'est énorme. Non? Ça va? J'espère. Bah, je suis pas... Et puis, bah, moi, du coup, je vais faire mon ménage. Je me demandais quand est-ce que j'allais avoir le temps de le faire. Et ben, voilà, le temps s'impose. Donc, c'est parti. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Toi qui veux toujours être filmée. Non, pas aujourd'hui. Oh, petit chat. Bon, bah, c'est parti. Bon, je vous reprends. Il est midi et quart, presque. On rentre de l'école. Et en fait, je viens d'avoir un appel téléphonique de ma patronne qui a besoin de mes services. Alors, je suis très contente qu'elle m'ait appelée, en fait, parce que comme elle sait que techniquement, je n'ai pas acquis de congé, logiquement, je suis censée... moi, j'étais censée travailler pendant cette année parce que je n'ai pas acquis de congé. Donc là, c'est des congés sans solde que j'ai. Donc, elle me dit, quand j'ai des besoins, je fais appel à celle qui n'avait pas acquis. C'est plus logique, je suis pas carrément. Je dis, mais je remercie de m'avoir demandé. Et du coup, je vais travailler demain après-midi et vendredi toute la journée en télétravail vendredi. Donc c'est super, elle me donne de l'administratif. Je suis trop contente parce que si elle commence à me faire travailler sur de l'administratif, je me dis que peut-être si j'arrive à faire mes preuves, les gars. C'est tout pour vendredi. Il te pose une question, t'as juste à lui répondre et puis le sujet est clos. Je réponds, il fait pourquoi. T'es pénible aussi. Quelque chose à la télé. Là, pour l'instant, c'est Marceau. Donc, si tu veux, il y a la télé d'en haut qui est dispo. Donc, ouais, si elle commence à me donner des tâches administratives, franchement, c'est trop, trop bien. Donc, là, je vais ranger, préparer à manger, déjeuner, et ensuite, cartable, il faut que je l'ai terminé ce soir. Bon, ben, je vous reprends, il est 20h37. Je suis en train de faire les croque-monsieur. Enfin, je fais cuire les croque-monsieur puisque... c'est Elsa qui les a préparés pendant que moi j'étais encore à ma couture parce que je n'ai toujours pas fini mon cartable. Je n'en peux plus. Ce patron, c'est une...
de malade. Hein. J'en ai ras le bol. Je suis dégoûtée en fait parce que j'avais un patron hyper sympa, hyper facile. Le truc de débutant, hein, franchement, hein, c'était vraiment un patron de débutant. Mais honnêtement, il était trop facile à faire, quoi. Là, je me prends la tête, il n'y a rien qui est adapté, en fait. C'est-à-dire que je... J'arrive pas à attraper mon morceau de beurre. En fait, il y a des gabarits, mais en fait, les gabarits sont pas à la bonne taille. Donc, je comprends pas. Il y a une pièce qui va pas avec l'autre. Enfin, du coup, les dimensions sont pas les mêmes. Alors, ben, j'adapte. Hein, je refais le patron à ma sauce avec l'ancien que j'avais. Du coup, je mélange un peu les deux. Donc là, j'arrive au bout. Hein, j'ai plus que le montage final à faire. Mais je viens de me rendre compte que du coup, j'avais deux pièces qui ne correspondaient pas. Donc, je suis obligée de les refaire. Donc là, j'ai tout démonté. Je vais juste avoir besoin de recouper et de recoudre, enfin de réassembler avec l'autre pièce. Le rabat de devant, en fait, était beaucoup trop grand. Je n'ai pas compris, mais bon. Donc, du coup, j'espère juste que pour les autres pièces, je ne me suis pas trompée dans la taille, parce que sinon, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir le finir. Concrètement, il va falloir que je retourne chercher du tissu et tout, et ça veut dire que, du coup, elle n'aura pas pour la rentrée, puisque clairement, la rentrée, c'est mardi, et que là, je bosse demain après-midi, je bosse... vendredi toute la journée en télétravail, je serai à la maison, mais du coup j'aurai du boulot et que je reprends le boulot lundi. Donc clairement ça va être compliqué, je pense. Alors ça va, c'est que lundi en fait j'avais inscrit les enfants au centre de loisirs volontairement parce que je ne savais pas dans quel délai on m'annoncerait que je reprends, si je reprenais le lundi. Du coup, j'ai anticipé et je les avais inscrits, en fait. Même Elsa, elle est inscrite. Donc, du coup, ils vont tous aller au centre de loisirs lundi. Donc, moi, du coup, j'irai travailler. Et puis, mardi, du coup, reprise. Alors, je peux être là le matin pour la rentrée des classes, j'ai droit. Et par contre, l'après-midi, j'ai un rendez-vous pour Adam au CMP, là, pour avoir un... Alors, c'est un rendez-vous préalable pour nous donner un rendez-vous avec une psychomotricienne. Donc, bon. Il faut qu'on y aille, hein. Eric sera là aussi. Du coup, ça va être une courte journée mardi, mais ce sera toujours ça. Et puis bah, après, je reprends mercredi pour le reste du temps, du coup, à temps plein. On va refaire des masques, encore et toujours. Voilà. Bon, bah, je vous reprends. On est jeudi et il est 17h, je ne sais même pas combien, 17h40. Je vous laisse voir le désastre, le cartable. Est terminé et il est expédié. C'est un coup de bol phénoménal. Je dis ça parce que en tout j'ai cassé, pour vous dire la vérité, j'ai cassé 3, 4, plus les 4 que j'avais, j'ai cassé 8 aiguilles, pour, enfin cassé et tordu, ça dépend pour lesquelles on parle, mais en tout il y a 8 aiguilles qui ont été gâchées en fait à cause de mon montage. En fait, je pense que ça vient de ma machine, donc je suis un petit peu moins contente que le premier jour. Hein. Je sais pas pourquoi, il y a des moments je pique et ça pique sur une plaque, en fait. Donc je ne peux pas enfoncer mon aiguille. Et en fait, c'est quand je suis lancée dans mon point rapide et que cette fameuse plaque, elle vient se mettre au niveau des griffes, bah du coup, l'aiguille, elle fait... Et puis elle se tord et ou elle casse. Donc je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Je vais essayer de joindre un SAV pour avoir de l'aide parce que c'est pas normal. Mais ceci étant, j'ai réessayé avec la machine de Laura du coup puisque la mienne n'arrêtait pas de planter. Et en fait, j'ai la même chose avec la machine de Laura. Donc je ne comprends pas. Du coup, ce cartel, ça a été une sacrée aventure. Hein. Donc après, c'est vrai que je l'ai un peu fait à ma sauce parce que eux, ils prévoyaient une doublure, une triplure, des renforts en cuir, etc. Enfin, le truc, il allait coûter une blinde. Déjà là, le cartable, il m'est revenu à 54 euros quand même. Sans compter les aiguilles, n'est-ce pas? On est même à 64 euros, du coup, le coût de revient du cartable. Donc là, je m'en fous, c'était un cadeau, donc ça ne me dérange pas. Le deuxième, c'est pour Marceau. Mais clairement, dans un but professionnel, je ne pourrais pas utiliser ce patron parce que c'est un gouffre financier. C'est une... à monter, je vous laisse imaginer. Les explications sont pas claires. Dès le début, c'est écrit découper les gabarits. On découpe les gabarits. Et dans les explications, c'est noté. En fait, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait.
Dès le départ, en fait, ça vous dit découper les gabarits. Donc jusqu'ici, tout va bien. Va les aider, les pêcheurs. Bouclier. Ouais. Bouclier. En fait, au départ, vous avez la première page qui est en fait la liste des fournitures. Donc moi, je suis allée avec ça dans le magasin. Ensuite, vous avez la découpe. Donc ça vous dessine toutes les pièces, mais à la fin du patron, vous aviez en fait de fournir toutes les pièces qui étaient à découper en fait. Donc il y en a qui étaient à dessiner soi-même parce qu'elles n'étaient pas fournies, mais pour la plupart, c'était à découper et c'était écrit. Ajouter 3 cm. Donc, vous voyez, par rapport à la partie bleue, en fait, on ajoutait 3 cm. Les autres, elles étaient à découper telles quelles et à assembler, vous voyez. Donc, c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'au final, cette pièce-là, elle ne fait pas la taille qui est indiquée sur ce document-là. Rien à voir. Donc, j'ai pas compris. Donc, ce patron, il est vraiment merdique. Mais vraiment merdique. Donc, bon... On est arrivé au bout, le cartable il est monté, il a été expédié. Très honnêtement, je ne suis pas du tout contente du résultat. Alors, oui et non, je suis contente parce que c'est un beau cartable. C'est vrai qu'on voit bien que c'est de la qualité, ça n'a rien à voir avec celui-là que j'avais fait pour Marceau, qui pour autant est un cartable très mignon. Hein. Mais on voit bien, après c'est aussi le tissu. Parce que là c'est du simple coton alors que l'autre a été fait en toile enduite. Donc, du coup, il est plus solide. Plus rigide, plus il se tient mieux en fait. Donc effectivement, esthétiquement parlant, il est mieux. Donc je suis très contente dans l'ensemble du rendu du cartable. Hein. Vous verrez les photos dans quelques jours sur Instagram parce que j'attends qu'il ait été réceptionné avant d'en montrer les photos. Et puis quand vous verrez les photos, évidemment vous verrez pas les défauts, mais il y avait quand même pas mal de défauts dedans. En plus, je l'ai vu en mettant dans la boîte, j'ai oublié de couper des fils. Alors il faudra que je dise à Béa qu'elle le coupe. Il y a juste deux petits fils qui sortent et j'avais pas de ciseaux sur moi, donc je pouvais pas les recouper en dernière minute. En plus, une fois arrivée à la poste, j'avais pas son adresse, enfin l'horreur. Mais vraiment, c'était la cata, cet envoi de cartable. J'ai terminé le cartable, il était 12h40. Je devais partir normalement travailler à 12h40. Donc j'ai pris le cartable, j'ai pris mon téléphone, mes clés et je suis partie. J'arrive au boulot, j'avais oublié mon sac à main. Vu que je partais sur Nantes, il me fallait mon sac à main, parce que permis de conduire, carte grise, etc. Du coup, je suis repassée à la maison et normalement, c'était prévu que je parte avec la voiture de l'entreprise et finalement, elle n'était pas à l'atelier, la voiture de l'entreprise. Donc, j'allais pas remonter à Cholet pour aller la chercher. Enfin, je suis partie avec ma voiture, quoi. C'était plus simple. Donc, du coup, j'ai emmené Marceau et Elsa avec moi. Adam et Chrome sont restés à la maison. Du coup, ils ont regardé la télé, bien sûr. Et puis, ils ont un peu joué à leur tablette aussi. Et puis, bah voilà, du coup, j'étais assez contente, j'avoue, d'avoir enfin posté ce cartable parce que c'était vraiment une grosse source de stress pour moi, le délai en tout cas. Après, le montage aussi, parce que j'ai vraiment cru que j'allais pas réussir à le finir tellement je cassais mes aiguilles à la fin. Donc là, je suis bien contente qu'il soit terminé. Celui de Marceau, bah, pour le coup, il va attendre un petit peu. Alors, Marceau, il va faire sa rentrée avec son cartable de l'année dernière. Ça lui pose pas de problème pour l'instant. Comme ça, je vais vraiment prendre le temps de réétudier le patron, de le refaire à ma sauce avec le modèle de mon premier patron. En fait, ce que je vais changer, c'est que je vais pas mettre de biais. Celui-là, il est entièrement recouvert de biais. La finition, c'est que du biais, en fait. Alors que je préfère avec un passepoil autour. C'est ce que j'ai fait là sur celui de Lana et c'était très joli. Et puis, j'ai acheté de toute façon de quoi faire au passepoil. Et justement, les coutures sont retournées. Elles ne sont pas du tout prises en biais. Donc je vais le tester comme ça, ça me parle bien. Pour les sangles, du coup je vais rester sur le même principe que j'ai fait pour Lana, puisque j'ai trouvé ça assez sympa aussi. Je vais thermocoller certaines pièces, mais pas toutes, mais du coup je dois aller racheter du thermocollant, puisque je n'en ai pas assez. Donc dans l'ensemble, je vais pas vous dire le contraire, je suis quand même assez satisfaite de mon ouvrage, mais j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de défaut dessus. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, bah, comme je le disais, on est jeudi, puisque hier soir, en fait, j'ai cousu jusqu'à 23h, où en gros, il me restait deux coutures à faire, c'est-à-dire deux pièces en fait à coudre, et j'avais terminé, sauf que j'ai cassé ma dernière aiguille. Donc impossible de terminer. Donc ce matin, j'ai emmené Adam à l'école, je suis rentrée à la maison, je suis partie avec Com, puisque Com était réveillée, Elsa et Marceau dormaient encore. Donc, on a été emmené Adam à l'école. Ensuite, on est parti chez Cultura, du coup, pour racheter des aiguilles.
Et ensuite, on est rentré. Moi, j'ai rattaqué tout de suite ma couture et j'ai terminé à... Donc, on est rentré, il était 9h30, hein, je précise. Donc, je me suis remise dessus à 9h40. J'ai terminé à 12h40. Donc, encore 3 heures de couture ce matin pour 2 ou 3 coutures. Je sais plus combien ce qu'il me restait à faire. Mais en soit, la toute dernière qui fermait le cartable, j'ai mis 1 heure à la faire, quoi. J'en avais ras-le-bol. Sérieusement, j'en avais ras-le-bol. Donc, et en plus, elle est mal faite. Donc, je suis un peu dégoûtée. Ma machine, elle est bien, mais un peu comme celle de Laura, elle entraîne pas bien le tissu. Les griffes, elles sont pas assez... En fait, le coton enduit, c'est vraiment du coton qui adhère sur la partie acier, en fait. Et donc, du coup, la matière a du mal à s'entraîner en dessous le pied. Donc, c'est pas l'idéal à coudre, j'avoue. Mais bon, je verrai sur des ouvrages en coton simple comment ça se passe. A priori, ça a l'air d'être une bonne machine, hein, à part ce problème de plaque là. Mais je me demande si c'est pas l'épaisseur, quand l'épaisseur du tissu est trop importante, que c'est une sécurité pour le, peut-être pour l'aiguille ou je sais pas, mais ça pique pas en fait. Donc je sais pas. À vérifier. Je vais refaire des ouvrages, je me rendrai bien compte de ce qui cloche. Donc bah là, ouais, je le disais, le cartable de Marceau va attendre un petit peu. Donc là, ce soir, c'est opération ménage de chez ménage. J'ai mon atelier couture à ranger, j'ai tout le rez-de-chaussée à faire, là-haut ça va, mais tout le rez-de-chaussée il est à faire, enfin tout le rez-de-chaussée, la cuisine est de séjour en tout cas, les toilettes sont à nettoyer aussi, mais l'entrée ça va, et du coup je vais faire ça là maintenant vu qu'il est même pas 18h, j'ai le temps, et puis ce soir ce sera lavé et prêt, et il faut que j'envoie un message à ma patronne pour lui, d'ailleurs il faut que j'aille revoir mon kilométrage de voiture pour lui dire combien j'ai fait, parce qu'elle me rembourse en fait mes frais kilométriques. Donc c'est plutôt pas mal, je dois dire. Donc je vais aller voir ça et puis je vais lui envoyer un message, je vais m'attaquer à mon ménage et puis après bah je vais monter cette séquence de vlog aussi avant. Comme ça ce sera fait. Et puis après je passe ma soirée avec les enfants parce que c'est vrai que depuis 2 jours je les ai un petit peu négligés, je dois le dire, à cause de ce fameux cartable que je n'arrivais pas à finir. Adam n'a pas arrêté de me le dire. Oui, de toute façon, t'as repris le boulot et tu t'occupes plus de nous. Bon, c'était pas le cas pourtant, mais donc je vais envoyer le message, monter le vlog, faire tout mon petit ménage, faire à manger et puis demain dernière matinée de l'école pour Adam. Demain après-midi, il a un copain qui vient à la maison, il est hyper content. Donc bah, c'est plutôt cool. Moi, je vais travailler. Du coup, à la maison, j'ai du boulot à faire sur une boîte mail en fait de l'entreprise. Donc ma patronne doit m'envoyer toutes les infos. Donc c'est aussi pour ça que je voulais lui envoyer le message pour lui dire que tout était bien fait, que je suis partie à 13h40, je crois, et je suis rentrée à 16h40. Donc je vais pouvoir lui donner toutes ces infos. Voilà. Bon bah sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Du coup, désolé, il n'y aura eu qu'un vlog en 2 jours parce que c'était trop difficile à gérer pour moi avec la couture de ce cartable. J'étais débordée. Donc là, je vais souffler un petit peu, reprendre mon rythme jusqu'à lundi, puisque lundi je retourne bosser 8h-16h. Donc les enfants vont au centre de loisirs et puis mardi retour à l'école. Donc c'est moi qui les emmène le matin. Voilà. Bon bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un petit commentaire, ce que vous voulez, vous abonner si c'était pas fait. Et puis je vous dis à demain. Ciao !